Hello guys, this day in animated infographic video with After Effects, on va faire ça. Let's go. On démarre After Effects, a new composition, on le nomme le gimmick. Une autre composition de nom Media et create two folder image and sound. Bien, on importe les files image et les sons que nous avons besoin pour notre animation. Trois fichiers, sons. Et on commence. Une image de background. On le met dans la composition média. New solid, le nom opacite. Et on ajoute un effect file pour changer la couleur et son opacité. Par exemple, bleu. Et on diminue l'opacité, 80. Puis on ajoute les médias sur la principale composition. Composition. On écrit une lettre R. Le divido reading, la lecture. R. La traite. Traitez-le comme vous voulez. Comme vous voudrez. Par exemple, le fond impact régulière. Puis on ajoute une image et on Pragmat pour mettre l'image dans la lettre R. Dimensionner avec scale. Donc ici, on move les deux, le solide et le background. Donner un mouvement à cette composition média. Donc, Easy is F9, cliquez sur F9 pour le mettre Easy is et on change le graphe. Comment voir le mouvement? Rapide, puis regarde. Rapide, puis se ralentit. Position pour l'image qui se trouve dans la lettre. Aussi avec le caractère position.
à 3 secondes par exemple. On le fait entrer dans la scène. Bien. Conseil, easy ease, clic droit ou bien F9 qui ferait ma session easy ease. Puis l'éditeur du graphe. Bien, very nice. Duplicate la lettre R, puis create pour mettre la lettre comme shape. Et on supprime le deuxième duplicate. Donc, on annule le file et on le met stock. Un stock de couleur blanc, white. Par exemple, 3 pixels. Le stock 3 pixels. Bien, on ajoute un effet trim path. Trim path and par exemple. Ici à 2 secondes quelques and 0. Pas de stroke. Puis offset. À 3 secondes, on le remet à 100 et offset par exemple à moins 40. Regardez, on peut changer les places des keyframes pour mettre un mouvement, un meilleur mouvement, par exemple, quand vous voudrez, vous positionnez les keyframes pour voir un nice movement. Maintenant, on écrit le texte. Par exemple, reading, lecture, la lecture. On concentre encore point et le donner un fond puis on duplique pour écrire le deuxième texte. Le sous-titre, le titre et le sous-titre avec une taille différente et de fond comme vous voudrez. Alors, reading, curiosité, has no limits, فضول بدون حدود. القراءة فضول بدون حدود. La lecture, curiosité non de limite, par exemple. Choisissez les titres que vous voulez. Ici, on met les lignes pour l'alignement texte. Donc les deux textes, position pour la transformation, position et comme les autres, par exemple un mouvement de droite à gauche.
Donc, x, on change les coordonnées x. Easy is avec F9 et l'éditeur du graphe bien voilà. Donc changer la position du keyframe pour avoir le texte qui va apparaître le premier par exemple. Very nice. Maintenant, on ajoute une flèche sous Illustrator. On utilise l'illustrator pour ajouter les icônes déjà créées. Par exemple, ici, j'ai beaucoup des icônes. Par exemple, cette flèche, on le met dans une autre page pour la traiter, changer la couleur, les dimensions. Donc, pour le mettre à After Effects, il faut faire Realize to Sequence. Changer la couleur. Enfin, il faut l'enregistrer, le save et importer cette file. Avec composition, import as composition. Voilà le fichier d'illustrateur. Donc, changer la place et lier-le avec le mouvement du deuxième texte. Bien. Maintenant, draw un shape rectangle, par exemple, path fill et the stroke, dimensionner le stroke, par exemple, ici. Trim path, on ajoute. Toujours end 0 et dans la seconde 100 pour donner un mouvement à cette rectangle. Offset aussi pour rendre cet mouvement pour lui donner un bon mouvement. Toujours Easy Ease, F9, sur le keyboard. Ajouter le texte. Par exemple, un texte d'arabe. Écrivez n'importe quoi. Par exemple, le programme doit tenir à de l'écran. Un couleur, changer la couleur, changer le fond, changer la taille.
positionnée au milieu du rectangle. Et lis ce mouvement avec, par exemple, le premier texte rythmique. Maintenant, on ajoute le dernier texte. Pensa à Kulupswa Pilat Mosin Diras. مثلا هل اليوم وجه مثلا لأطفال المدارس أو يعلق في القسم ساعة كل أسبوع للقراءة طيلة الموسم الدراسي لتفعيل هذا البرنامج تحدي القراءة. هذا ملصق تحسيسي من أجل تعويد الأطفال على القراءة ثم صورة نصوص والكل يتحرك. إذن هذا هو النهاية. إذن أو غونج تو لازم كومبوزيشن فيديو أي نج أو نجوت لي صن L'ajout du deuxième son pour les mouvements, dupliquer le son pour chaque mouvement. C'est facile, it's easy, n'est-ce pas? Ajoutez le dernier son pour le rectangle. Nice. Rangez les sons dans une pré-composition par un son. Maintenant, il faut exporter le vidéo. Export avec Adobe Media Encoder. Ouvrir Media Encoder. Voir le vidéo. Choisir l'emplacement par exemple. Le titre. L'emplacement par exemple pour moi sur le bureau. Desktop. Et enregistrer
puis cliquez sur Play. Voilà, tout va bien. Donc, sur le bureau, ouvrez avec QuickTime. Et voilà. Very nice. Dernière astuce, dernier trick. Vous pouvez changer la lettre comme vous voulez. Selon le texte que vous avez, selon le titre que vous avez, par exemple A. B, G, K. Ciao, subscribe, thank you very much.